taak van de voedselbanken is dubbel. Enerzijds strijd tegen de verspilling en anderzijds strijd tegen de armoede. Het gaat samen in feite. De voedselbanken proberen zoveel mogelijk voedingswaren die eigenlijk nog goed zijn voor consumptie, maar die om een of andere reden niet langs het normale commerciële circuit kunnen verhandeld worden, te verzamelen. La source principale, c'est un programme européen qui s'appelle la politique agricole commune. Donc, à concurrence de 45 à 50%, la nourriture provient de l'Union européenne, si possible de surplus, mais pas nécessairement. La deuxième source, ce sont les grandes chaînes de distribution, que je ne vais pas citer. Ce sont également, parmi les sources importantes, les grandes entreprises agroalimentaires. Et accessoirement, au point de vue quantitatif, mais au point de vue qualitatif, c'est essentiel, ce sont les légumes et les fruits frais que nous recevons parmi les invendus des quelques criées qui existent dans notre pays. Si un seul mot devait me venir à l'esprit pour décrire la philosophie, c'est le terme de gratuité. Les bénéficiaires de l'aide alimentaire, qui sont les plus démunis, reçoivent la nourriture gratuitement. Nous n'achetons pas de nourriture et les personnes qui s'efforcent de rassembler cette nourriture et de la redistribuer ultérieurement le font à titre bénévole. Ik kom van de Lidl. En wat dat goed zijn, dan weet ik niet wat dat erbij is. Softdrinks. Ah, softdrinks. Ik ben vrijwilliger, ik hou ervan. Als ik tijd over heb, doe ik graag vrijwilligerswerk. Waarom niet? In de zetel zitten of vrijwilligerswerk doen. En dan blijft het soepel, dan blijft het jeugdig. Hè? En heb mensen, heb je vrienden. En vrienden heb je nooit genoeg. Twee. Chocopasta, twee. Dat is van de deze hier, hè? Mijn naam is Beatrice. Ik kom heel graag hier om te helpen. Het is normaal als wij dat kunnen. Dirk vraagt me altijd hoe dat je het zegt in het Engels. Ja, ja. Ananas of ananas? Ananas. Wat zeg je? Ananas. Pineapple. Allez, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Oh, chocolat. Cool. Chocolat. Cadeau de fin d'année. Voilà, prêt pour le départ. Quand c'est décongelé, il ne faut pas traîner trop longtemps. Nous transportons ici une cargaison de glace qui vient de la Banque alimentaire de Meaux. Les glaces que nous allons, non pas sucer, mais distribuer. Jeudi. C'est sûrement, c'est pour les fêtes de fin. C'est certainement le seul gros dessert que certaines familles vont avoir en cette période de fête. Donc, pour eux, ça va être, pour eux, c'est vraiment Noël, quoi, grâce à cette glace. Alors, quand les gens viennent, nous sommes nombreux, donc il y a toute une série de personnes qui sont là, avec des produits bien particuliers à distribuer suivant la composition des familles. Ce ne sont pas des caisses toutes prêtes, ce sont les produits sont installés ou les légumes, et en fonction des familles, ils ont droit à X boîtes de tel ou tel produit ou à tel légume, ils peuvent choisir également. Monsieur, que les glaces, c'est peut-être le seul dessert que les gens vont avoir Pour les certains, oui. Pour certains. Mais ils auront un cougnou, hein. Ils auront tous un cougnou.
As a Belgian federation, we do belong to an European federation. Poverty is not limited to one country. Everybody knows that. So we try, through an European federation, to help each other by training, exchanging ideas, policies, way to operate, to create new banks, and all that make, as a consequence, make that we feel more European through the charity type organization we do belong to. Ik een schande vind, en dat is Mère Teresa die dat zegt, het is niet het feit dat er zijn rijke en arme mensen, maar verspilling is een echte schande.